Salut YouTube, on espère que tu vas bien et que tu pues comme il faut. C'est parti, on y va. Temple du feu terminé. Tu me diras, Rubo, si t'as trouvé un nouveau sandwich McDo. Eh ben, moi, en général, je prends tout le temps pareil, c'est vrai. Attendez, je fais ça, voir. Ah, ça a lancé la cinématique, ok. Mais Metroid, il se fait pas critiquer parce que ça reste des bijoux. Metroid, c'est des bijoux, putain. Putain, faut que je finisse ce Metroid Prime Remaster, là. Faut que je le fasse avec vous. Regarde ça! C'est un monstre! Je l'ai pas fini, ouais. Le problème, c'est que quand t'as pas joué à Metroid et que tu dois reprendre après des mois... Oh. Vas-y, quoi. Ah, il met quand même un arrêt en cours quand elle fait ça. Merde, putain, c'est le disque... Le disque... doit être mort. C'est pas vrai. Putain, quand elle remet la batterie à ça... Putain, mais... C'est quoi ce boss? Elden Ring, randomizer après mes vacances, le Lithogoma. Allez Link, il faut qu'on la batte pour sauver la princesse. Go. Faut qu'elle redémarre sans échec, ouais. Secours, secours, secours. D'un coup, ça va faire mal. Sois prudent. Ouah. Là-haut. Alors attends, je pense qu'il faut lui viser les pattes d'abord. Voilà, c'est ça. Fais attention. Eh, merde. Eh, j'ai eu une autre patte. Sans faire exprès. Attends, attends. C'est aux flèches qu'il faut l'avoir ou pas? Qu'est-ce que je pourrais lui lancer dessus pour que ça lui fasse encore plus de dégâts? Peut-être ça. Ça, c'est de la merde. 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 Ça, c'est bien ou pas? Est-ce que celui-là... Oh non, mais reviens! Oh non, il a perdu 2 de vie. Merde! Il fallait lancer Jean-Michel dessus, putain! C'est parti! Ouais! Allez, deuxième patte, deuxième patte, deuxième patte, deuxième patte! Bon. Pourquoi? C'est parti! C'est good. Non mais allez, cooldown de ses morts! What? Ah mais c'est ça! D'accord. Je suis juste teubé. Attendez, on fait le maxi truc là. J'ai pas plus de dégâts là. J'ai pas un 72 à lui caler. T'as 72. Non. Aidez-moi. Je suis dans la panade. Ça a pas marché. Oh non, il a levé la patte. Elle fait le tour. Trop bien. Ah, attends. Le 72, on peut lui caler. On est dans la palmade. Ok, donc ça, c'est... Je peux utiliser mes autres pouvoirs? Je suis débile. ...20, 29, 36. DPS de dingue, DPS de dingue. Tout au bras. C'est pas le fou, hein? Alors elle est où, pouvoir des éclairs, là? Elle, on va activer ça. Putain, il y a trop de monde, là. J'ai perdu toutes mes vies. Alors vas-y, t'es, flèche. Ça fait pas l'électricité? Oh merde. Les deux. J'ai plus trop de soins, hein. Le retour de Ribolink, exactement, Judas. Oh là là, au secours. Fais attention.
Et merde. Mais il est où Jean-Michel? Non mais moi je... Vous voyez, c'est ça où je dis que c'est de la merde. Ça, c'est de la merde dans ce jeu. C'est que quand t'es proche des ennemis, que t'appuies sur A pour faire un des pouvoirs, vu qu'ils sont 5 glandus à côté de toi, ben en fait, c'est le loto du... Le loto du skill, quoi. Je suis mort alors que j'aurais pas dû mourir. Me dégoûte. Pourquoi j'ai des armes de chiottes? Comment ça va, ceux qui sont là? Pourquoi j'ai des armes de merde? Je peux l'avoir de là? Attends, ça fait quoi si je fais ça? Ok, ça fait juste péter le truc. Ce rocher a explosé. Et si je m'en vais? Est-ce qu'à votre avis, je peux amalgamer des trucs, là? Voyons voir. Moi, ça va. Ah, j'ai kiffé le dos droit en plein combat, ouais. Genre, vraiment beaucoup. Normal, j'avais des... comment dire? J'avais des trucs pour amalgamer, vous savez? Des manches de trucs. Ouais, voir, j'avais une arme, normalement, où je pouvais doubler mes dégâts. Avec ça, là. Oui, avec ça, je peux. Ah, attends, je prends ça. Admettons. Ok. Et je prends la cote de Guibedos. De Guibedo. T'as aligné sec, t'en as contrôlé combien? Alors, combien t'en as aligné? Et ça, du coup, je mets sortir, d'accord? Là, je fais ça. Là, je fais ça. Voilà! 80 de dégâts. Et après, j'ai ça. Regardez, j'ai ce petit couteau. Hop, je fais pareil avec ça. Sortir. Hop. Et là, je fais ça. Voilà! 80 de dégâts. Et du coup, là, on y va. C'est les côtes de Guibedos. Elles sont là. Oh merde! C'est parti! Tu l'as eu! Tu l'as eu! Pas un Opinel, non? Ça va? Oh vas-y! C'est parti! Ah, ça pète! Ah, du coup, je lui fais zéro dégâts! Attends, attends, attends! Re, Flora Ayrton, t'es pas loin de la plage! Ah, c'est surtout du blabla, d'accord. Bon, bah, ça va être dur. Parce que j'ai que des armes de merde. Ouais, what the fuck? Oh, j'ai que des armes de chiottes. J'y retourne comme j'ai fait. C'est pas grave, je vais utiliser tout ce que j'ai. À la limite, ce que je peux faire, c'est utiliser ce truc sonar. Avec un truc sonar. Vous voyez? Classé par amalgame. J'ai ça, qui est sonar. Je fais ça. Je fais ça. Et je fais ça. Ouais, bon, voilà. Ça fait 40, quoi. C'est pas la folie. Hein. Là, j'ai encore mouru. Ah, c'est vrai, attendez, il y a le compteur de mort. 1 et 2. C'est la 5e mort. Attention, ce rocher a explosé. Ce rocher a explosé. Non, 99, ok. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Pour exploser, éloigne-toi. Go, 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 go. Go, go, Gadgeto, go. Attends, et lui, il peut pas venir, là? Alors, si je fais ça, là. Putain. Secours. Il est où le gars là? Il est où? Le randomizer d'Elden Ring, ça a bien monté, je pense, le nombre de morts. Vas-y, recommencez. Au pire, si tu veux, je contrôle le mob. Ça me profite pour lui mettre ton épée dans le dos.
Ça ne marchera pas. Sans mort, ça y est. Sans mort, les amis. Abonne-toi. Ça marche pas? Son corps est dur comme la pierre. C'est parti. What? Sans mort, GG. Explosé, on y va. Pourquoi je lui ai fait des dégâts tout à l'heure et là non? Éloigne-toi! Elle est super puissante! Fais attention! Ça va réduire en gravier! C'est infernal! Malenia, premier boss. Alors tu peux régler ça aussi. Tu peux régler, voir. Enfin, en gros, si tu veux tel ou tel mob à tel moment, tu peux quand même le régler, quoi. Allez, on y croit. Allez, viens. Je fuis. Hein. C'est good. Elle. Elle a un cheveu de blond dans le dans la bouche. Ah, j'y retourne. Je vais prendre ça là. Je vais perdre des vies. Je reprends juste ça rapido. Au moins pour aller jusqu'à la P2, ça serait cool. Les deux, non. Elle arrive. On y va. Je me soigne en plus, putain. Après, j'aurais plus qu'un soin, c'est ça le problème. C'est parti. Maintenant ou jamais. Bon, là, j'y vais avec ça, non. Voilà. Putain, il manquait qu'un seul coup, hein. Dur, dur, hein. Ah, franchement, le boss du temple de l'eau, à côté de ça, c'était un petit caca. C'était une petite crotte. Elle arrive par en haut. Fais attention. On est encerclé. Il faut pas rester là. Et c'était comme ça que j'étais mort tout à l'heure. C'est parti. À la gueule. Alors, je sais pas trop... Ah, si, si, si. Je sais. C'est bon, je sais, parce qu'en fait, il fait le tour de la pièce, lui. Là, là, ça va pas du tout marcher. Laisse-moi là, mais merde, hein. J'ai le cooldown. Fais chier. Tain. Voilà, là, tu fais ça. Ah ouais, d'accord, là, c'est plus qu'un coup, par contre. Allez, on va la voir. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ça. Ça va. Putain, Lévi. Saisis-toi. J'ai la perruque, c'est vrai, je peux que réussir avec ma perruque. Vas-y, je le garde avec moi, lui. Il reste en bas ou pas? Putain, j'aurais jamais dû faire ça. Il va m'encercler, je vais avoir le cooldown de merde. Et ouais, du coup, il a calculé que... Cooldown de merde. Cooldown de merde. Et il lui reste pas beaucoup de vie. Il s'est pris le... l'explosion du truc. Alors attendez. Il s'est repris l'explosion du truc. Attends, on va calculer comme ça. Il s'est arrêté, ce con. Et merde. Le cooldown. Vas-y, vas-y. Ok. Faut qu'elle s'arrête, voilà. Oui. Oui, 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 le truc qui fait le plus de dégâts possible, imaginable. Je l'ai dans mes mains.
l'arrêter en gravier. J'attends qu'elle se brise. Ok, on prend l'épée de légende. La Master Sword. Merde, la Master Sword est morte. 29. J'ai plus de vie. C'est un boss pour les bébés. Il est mort. Putain, il déconne zéro quand il meurt. T'as eu Sauron. Franchement, incroyable. Ouais, c'est parti pour de la cinématique. Bon, il était bien. Franchement, c'était un bon boss, pour le coup. Apportez-lui du collier. Salut Atlas Flamme. Ah oui, c'est vrai qu'on a un cœur supplémentaire. Trop cool. Presque digne de FF16, non, faut pas abuser. Je sais que tu l'as là. Mais franchement, super comme boss. Je trouve que quand même, les boss ont été vachement améliorés par rapport au premier. Dans le premier, ils se ressemblaient tous. Alors, toujours pas? J'ai toujours pas la ligne en plus? C'est bizarre ça, non? Parlez. C'est parti, cinématique. Avec Yonobuz. Oh! Pendant la cinématique, Ribo se gratte le crâne avec une brosse en fer. Qui a hérité de mon sang. C'est encore cette voix? Alors, c'est toi qui nous parles depuis tout ce temps? Oui, je suis ton très lointain ancêtre. Un guerrier Goron au service du premier roi d'Hyrule. Putain, mais c'est 21h déjà? Ça fait 3h20 qu'on est en stream, mais c'est trop bizarre. J'ai pas vu le temps passer, je vous le jure. J'ai pas vu le temps passer. Une arme était remarquable. Tu es bien mon descendant et la fierté du peuple Goron. Ce monstre était la source de la roche qui a corrompu notre peuple. Il a été envoyé par le roi démon en personne. Sa mission était de t'empêcher d'obtenir la pierre. Judas, il y a eu une mutinerie contre le 29e. Occulte. Non, les gens n'aiment pas. En majorité, les gens n'aiment pas, ouais, Judas, c'est pour ça. Bien sûr, rien de tout ça n'a encore de sens pour toi. Pourtant, j'avais préparé un super overlay, là, pour tout à l'heure. Même pour aujourd'hui. Du conflit qu'on appelle la guerre du sceau et de la destinée de notre peuple. Mais je peux comprendre, après, parce que tu vois, quand t'es comme ça, finalement, tu vois, t'as le jeu, moi... Et le chat, et en fait, tout est au même écran. L'établissement du royaume d'Hyrule. 29e, ça coupe un peu. Je suis assez d'accord. Un être maléfique apparu, attaquant les innocents et prêt à tout pour détruire le royaume. Le 29. Le roi démon. Mais Raoru, le premier... Bon, ça fait 5 fois qu'on le voit, franchement. 6. Ah oui, parce qu'il y avait Zelda. Oui. Pour nous aider à combattre le roi démon, Raoru nous remit les pierres occultes. Des trésors qui amplifiaient la puissance de leurs porteurs. J'étais l'un d'entre eux. Armé de ma pierre occulte, je pris part au combat en tant que sage du feu. Mais le roi démon était un monstre de puissance. Il était si costaud quand même. Qu'il repoussait sans peine les coups les plus puissants, et sa force était sans égale. Le roi Raoru finit par comprendre qu'il nous était impossible de vaincre le roi. Go acheter un écran 29e. Il prit donc la décision de se sacrifier. Non, mais c'est vrai que si t'as un écran 29e, par contre, en tant que streamer, c'est galère. C'est très très galère. Ça, la guerre du sceau. Merci Flo. J'ai le flow.
Motion de censure, ouais, pour le 29e par le chat. Moi, j'aimais bien. J'essaierai en fin de live de vous montrer quand même. J'ai l'impression que je peux changer le format là. Me rendit une visite qui a décidé du destin des Gourons. Mais du coup, ce que j'ai fait à la place, c'est que je vous ai mis toute cette barre en 4K. Comme ça, elle est nette. J'ai mis le chat un tout petit peu plus gros, mais sans augmenter la taille de la barre. Et puis voilà quoi. Le héros aura besoin de la puissance nécessaire pour lui faire face. Le pouvoir du peuple Goron, celui de contrôler le feu. Je t'en prie, mets-le au service de Chevalier Link. C'est à ce moment précis que tout s'est décidé. Vaincre le roi démon est notre plus grand désir. Je fais le serment qu'à l'heure de sa résurrection, un Goron s'éveillera à nouveau en tant que sage du feu. Et combattra aux côtés du Chevalier Link. Ah, j'ai pas fait Overwatch, moi. Du coup, j'ai pas la ref, Atlas, mais t'as sans doute raison, si tu le dis. Grâce à vos efforts, le village Goron a pu être sauvé, mais la résurrection du roi démon est morte. C'est pas le Poutine. Yun, mon descendant, reçois en héritage ma pierre occulte et honore la promesse que j'ai faite aux sages du temps. Fais le serment de combattre aux côtés du chevalier. Après, ce qui est cool, c'est que, regardez, si jamais je fais... Pardon. Si jamais je me mets à droite... Combattre aux côtés de Link ? Vu que j'ai la perche à micro qui est cachée, il n'y a pas un truc là, genre là, qui est coupé là, là, vous voyez ? Là, ici, on la voit, la démarcation. Vous voulez confier cette tâche ? Vous êtes sûr ? Donc c'est bien, je peux passer de gauche à droite sans que ça gêne. J'ai pas la carrure de mon ancêtre et de ses compagnons. Mais bon, je n'ai pas le droit d'hésiter. Ça gêne, ça ? Quand on regarde une cinématique ? C'est un enfant gâté. Je vais me battre, vous allez voir. Alors de haut en bas, je peux faire ça. Je peux faire des diagonales. Non, c'est top pendant les cinématiques. Je peux faire juste ça. Maintenant, le sage du feu. Regarde, je vais te faire une démonstration. Ah, trop bien, on a eu le mieux là. C'est le primordial du feu, c'est ça. C'est Clive. Attends-moi ton point, Link. C'est Joshua. Moi, Yun, sage du feu, j'en fais le serment. Je mettrai mes forces à ton service. Compte sur moi. Prépare-toi. Tu vas maintenant recevoir la preuve. Imagine un Zelda JPG. JPEG, tu veux dire ? Un Zelda, un JPEG ? RPG, ouais, non mais il manque que ça. Il y avait des rumeurs comme quoi il y aurait un Zelda, Paper Zelda. Et vous savez que Mario Paper, c'était un RPG. Ça ressemblait à un RPG quand même, Paper Mario, la porte millénaire. S'ils nous font un Paper Zelda, j'achète instantanément. Ouais, c'est Donald Renew, c'est lui, ouais, Judas. C'est lui. Grâce à cette bague, peu importe où tu te trouves, mon pouvoir sera toujours... Je vais te faire une démonstration en faisant exactement ce que je faisais avant de recevoir ce caillou qui brille. Bien, rentrons au village. Incroyable, c'est exactement ça, Atlas. Paper FF. Moi, Paper Mario, la porte millénaire, ça fait partie de mes jeux préférés, hein, de mes RPG préférés, enfin de mes Mario préférés. Et franchement, s'ils pouvaient en faire un Zelda en Paper Mario, ça serait excellent. Des bisous, Marie. Merci à toi d'être venu. Ciao, ciao. Passe une bonne soirée. Bisous. Ah, bah du coup, il y a la viande qui est plus empoisonnée, peut-être.
Ah mais du coup ça disparaît, mais ils sont toujours drogués. Merci Marie d'avoir été là, ciao ciao. Crise de manque dans tout le village, ouais, exactement. The end. Ah, Donald Renew, je crois qu'il fait du doublage depuis 18 ans, je crois. Depuis qu'il a 18 ans. Franchement, tu nous en auras causé des mourons. T'es vraiment une grosse merde, Yonobo. Grondez pas, Monsieur Yoon, s'il vous plaît. Oh, c'est pas grave, Tokarksh. C'est vrai que j'ai causé un souci à tout le monde. Si seulement j'avais été plus prudent. Vous avez fait confiance quand vous avez dit que vous alliez rendre visite à la gloire de Village Goro. Des fois, je bug. Ah, il est partout, Donald Renew. C'est lui qui fera la voix de Bane dans Batman 2, Begin. Dans Batman Re-Begin. Quand vous avez fondé Unicy, vous étiez le héros du village Goron et vous l'êtes toujours aujourd'hui. Merci les petits gars. Oui. Link, je te dois une fière chandelle. Grâce à toi, la Savouroche a disparu et le village Goron a retrouvé le sourire. Mais si tu n'avais pas détruit ce masque... Rien que d'y penser, j'en ai des sueurs froides. Elle n'était pas fâchée, Dame Zelda, que le masque soit cassé? Eh bien, en fin de compte, on n'a pas réussi à lui parler. Il s'est passé tout un tas de trucs bizarres. Maintenant que j'y repense, j'ai l'impression que Dame Zelda est rentrée d'elle-même dans le monde d'Orosh. Incroyable. Et après la bataille, elle avait complètement disparu. Ouais, toujours sur TOTK. Ça arrive, Joker, ça arrive. Dites, Su Yun, ce serait pas possible qu'en fait, cette Dame Zelda, ce soit une méchante. Mais j'ai passé ma vie sur le Temple de Feu, Joker. Oh. Hein, comment ça? La Dame Zelda que vous et Link avez suivi, je crois qu'en fait, c'était le monstre de roche qui s'était transformé. Tout le monde dit ça. Hein? Ah, mais maintenant que j'y pense, la personne que mon vénérable ancêtre appelait la Sage du Temps, elle lui a demandé d'aider le chevalier Link et d'après son apparence, c'était Dame Zelda, ça fait aucun doute. Je sais pas pourquoi elle était dans un passé si lointain. Mais ce qui est sûr, c'est que la Dame Zelda qu'on a vue ici, est une fausse, c'est obligé. Pourquoi tout le monde dit ça? Bizarre. Hein? Avec l'aide de Unicy, je vais retourner chaque pierre autour du village pour retrouver la trace de Dame Zelda. Même éloigné maintenant de toi, même maintenant, toi et moi, on est liés. Compte sur moi. Voilà. Ton enthousiasme fait plaisir à voir. Mais va pas encore nous déterrer des trucs bizarres, hein? Oh, merde. En tout cas, on n'aura pas vu l'ombre d'un pompier. Alors qu'on a appelé, hein? Il devait me rappeler, d'ailleurs. Bien sûr, le village Piaf, Zomenzora, Cité Gerudo... Tu as récolté pas mal d'informations en plus de ce que tu as découvert ici. Pourquoi tu irais pas raconter tout ça à Madame Prua? Je suis sûr qu'il t'attend avec impatience. Elle t'attend avec impatience. Ok. Une grosse merde, Yonobo. Une grosse merde. Ça y est! On a fini le temps bleu du feu. Le temps bleu du feu. Bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se TP. Voir Madame Prua. Putain, on a toujours pas toutes les tours, quoi. On va aller là. Hey, il est méga long, ce jeu. En vrai, il est méga long. Hein. Et si, en fait, Link était un casseur qui fout le bordel dans la région? C'est possible. Avec Dame Zelda dans le passé. Littéralement, avec le masque, c'était un petit con arrogant. Et sans le masque, c'est juste un petit con. On croyait qu'on peut recoller le masque. Franchement, ouais. Mais il est marrant, quand même, Yonobo. Il est attachant. Il est un peu con-con, mais il est attachant. Là, j'avoue, j'ai fait que dalle. J'ai fait que dalle, en plus, dans le jeu, comme tu dis, Crystal. Alors, on va quand même aller parler à Dame Prua. Je sais plus où elle est. Ah oui, c'est là.
On y va une fois au début, après tu la revois pas pendant des heures, quoi. Elle est là? Non. Elle est où? Elle est là-haut? Ah non, elle est dans sa maison, peut-être. Il y a le club de l'EHPAD, là. Il y a le club des retraités, là. Alors, elle est où, Dame Prua? Elle est pas là? Où est-ce qu'elle est? Elle est là-haut? Elle est peut-être là-haut. Voyons voir. Parlez. Link, on m'a tout raconté. La tempête de neige chez les piafs, le savouroche, la vase, les Gerudo attaqués. Eh bien, tu as l'air d'avoir trimé pour cette enquête. On t'en félicite. Mais vu que tu as aperçu une silhouette ressemblant à Zelda au cœur de chaque crise, je peux pas m'empêcher de penser que toutes ces calamités ont un rapport avec le cataclysme. Mais moi aussi, je dois te faire part d'une nouvelle importante. La lune de sang. Yono bouze. Oula. Qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'elle parle, elle aussi. Plagiat sur Bloodborne! C'est la lune de Bloodborne. Ah, déjà? Va falloir aller dans le château, non? À un moment donné. Link! Tu l'as vu aussi, hein? Dis-moi que j'ai pas halluciné. C'était bien la princesse, pas vrai? Alors justement, je voulais te dire. Il me semblait avoir aperçu quelqu'un qui ressemblait dans le château de Virgule. J'avais encore quelques doutes, mais maintenant, ça fait plus un pli. Et moi, qui pensais qu'elle avait quitté le château, eh ben, je m'étais bien planté. Elle était dedans, quoi. Bon, on va pas prendre racine ici, faut qu'on aille sauver la princesse Zelda. Mais tant que le château d'Hyrule flotte dans les airs, on peut pas l'atteindre, ni les soldats, ni moi. À part toi, je vois personne à qui demander tout compte fait. Ah. Je sais que je te demande sans arrêt de te mettre en danger, Link. Et j'en suis désolé, je t'assure, mais vraiment là... Tu es le seul à qui je puisse m'adresser. Reviens-nous en un seul morceau. Et avec la princesse Zelda, d'accord? Enquête régionale terminée. Quête principale. La principoquette. Étrange phénomène au château. Ouvrir le journal d'aventure. Voyons voir, du coup. De nombreux mystères persistent, mais devez vous rendre au château d'Hyrule. Mais le château d'Hyrule, du coup, il flotte dans les airs. On pouvait pas y monter dessus, non? Ouais, donc il va falloir enquêter sur ça. C'est la suite de l'enquête. Bon, bah écoutez, pour YouTube, on en reste là. Des bisous YouTube, pouce bleu, abonnement, chaîne principale, arrobase ribosome. Et viens-moi voir sur twitch.tv/ribosome. J'ai plus d'air, des bisous YouTube, ciao ciao.